d'internat avant. Et donc mes parents m'avaient dit, oh, on avait trouvé un foyer, ce serait sympa. J'aurais dit, non, mais c'est pas la peine. Moi, je commence à être étudiant. J'ai envie de pouvoir profiter, d'être enfin tout seul. J'avais pas choisi, c'est parce que je trouvais pas d'autre logement quand je suis arrivé à Lille. Et c'était tout ce qui s'offrait à moi. Moi, je me suis dit, c'est un couvent, on va prier toute la journée, on va être obligé de faire des trucs comme ça, d'aller aux vêpres, tous les sermons et tout. Et en fait, au final, c'est pas du tout ça, parce qu'en soi, on n'a pas l'impression d'être dans un couvent ici. Et c'est vraiment, on est autonome, on voit les frères, on les croise et c'est sympathique, ouais. Mais au final, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Je me suis battu avec mes parents pour ne pas venir ici, parce que j'avais peur du cadre un peu religieux. Alors que moi, je suis venu parce que justement, en fait, on est assez libre, en fait. Comparé aux autres foyers, il y a vraiment une marche où on est libre. Et je me souviens, et le Xavier, le responsable, insiste beaucoup sur le fait qu'on est vraiment des hommes, on est des adultes. Et en même temps, du coup, il y a un cadre qui est fixé, mais on est hyper libre d'un point de vue horaire. Quand je suis venu visiter, j'ai vu que le cadre était vraiment cool. On serait 40, donc on serait vite des potes, il y aurait des activités. Et finalement, ça pourrait apporter autre chose que juste la fac. Ce qui m'a plu ici, en fait, c'était l'esprit de groupe, venir, ne pas être tout seul dans une ville qu'on ne connaissait pas, avoir pas de repères. Manquer de confiance en soi et du coup ça m'a plu d'arriver ici, d'être dans un groupe et de pouvoir partager des choses ensemble. Ici on est jamais tout seul, qu'on cuisine, qu'on aille à la messe, qu'on aille travailler. On était par exemple 10 d'HEI, dont aucun de ma classe malheureusement, mais on allait en cours ensemble. Au début d'année, quand on s'inscrit au foyer, en fait, on prend un engagement de venir à la messe aussi les dimanches matins, et aussi l'engagement de donner 4 heures de notre temps par mois pour une association. Et donc c'est vachement sympa, ça permet de rencontrer aussi d'autres mondes par le biais des associations. C'est pas forcément des associations, il y a les parqueux, il y a les youtubeurs. C'est un service en fait. C'est un service, le labeur de l'église aussi. Ouais. Il y a un service de 4 heures par mois. Se donner gratuitement, quoi. Faire un truc gratuitement, bénévolement. Et en soi, c'est pas désagréable. Hein, non. Enfin, t'es content d'avoir fait une bonne action. Moi, j'avais fait la maraude, par exemple. Et ça permet d'aller un peu en contact d'une vie qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer en tant qu'étudiant. Et du coup. Il nous propose cette ouverture qu'on n'aurait pas eu ailleurs. Ça nous sort de notre concon, sinon ça serait étudiant, le foyer c'est cool. Et en fait on est vite très centré un peu sur nous, sur notre bien-être et tout. Et je trouve que la dimension de service, il y a une pluralité de services à la fois, soit aider les jeunes, l'aide aux devoirs. Nous on avait aussi la proposition d'accompagner des familles, notamment des chrétiens de Syrie. Et à la fois de l'aide concrète au foyer, le jardin, la sacristie, les champs. Et à la fois, du coup, on a vraiment une liberté dans les choix. Et c'est vraiment quelque chose qui, je suis étudiant, mais en même temps, ça me sort de cette vie un peu étudiante, de cet enfermement-là, et ça ouvre vachement. Des dominicains, elle apaise beaucoup, je trouve. C'est une sobriété de vie qui nous ramène, nous aussi, étudiants, à l'essentiel, parfois. Où on se perd, où on s'agite énormément. Je trouve qu'il manquerait ça. Il manquerait cette dimension de sobriété, même de l'ordre de la foi, quoi. Qui est de dire, tu es étudiant, certes, tu as tes examens à la fin d'année, mais n'oublie pas que l'essentiel, ton bonheur, avant tout, il n'est pas là, quoi. C'est un moyen, mais la finalité, elle n'est pas là. Et je pense que s'il n'y aurait pas les Dominicains, moi, je me serais enfermé. Enfin, ça serait devenu une colocation, quoi.
sans le cadre qu'il propose, sans même le fait qu'il soit là. La manière de vivre des frères, leur mode de vie agit sur nous. On est quand même 40 garçons qui sont pas tous les mêmes et on est tous différents, on a tous des modes de pensée différents. Et pourtant, on s'entend tous très bien. C'est peut-être leur prière qui permet qu'on fonctionne comme ça et qu'on n'ait pas de soucis dans le foyer. Je suis sûr qu'ils prient pour nous et je suis sûr que ça, leur prière a une action concrète sur la vie du foyer. Comment, je ne sais pas, mais ça, j'en suis persuadé, quoi. Parce que voilà, on est 40 gars, ça peut très vite devenir la fosse aux lions. Hein. Avant, les moines, je les voyais, c'est des moines carrés, ils ont leur haut, du coup, c'est comme les prêtres un peu. Mais ici, vu que on les voit plus souvent et on leur parle, ça m'a permis de plus les voir comme vraiment des personnes sympathiques. C'est pas du tout le cliché du moine austère en bure, avec sa bure qui gratte. Frère Xavier, frère Jean-Pierre, frère Sarmad, frère Denis, et puis les autres, ils ont quelque chose en plus, quoi. T'es assez surpris en venant ici de voir que les frères justement avaient de temps en enfin pour la plupart ils ont un travail à côté, il me semble. Et je savais pas du tout qu'ils avaient cette ouverture sur le monde que nous on a même pas forcément. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Ils lisent énormément les journaux. Ils lisent Libération. Ils lisent aussi Libération. Non, mais ils lisent de tout. Enfin, aussi, non, mais ils lisent vraiment de tout. Donc, ils peuvent parler de tout et n'importe quoi avec nous. Ils regardent des séries. Et, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais on peut parler vraiment de tout et n'importe quoi. Si moi je veux, si j'ai besoin d'un accompagnateur, si bah, je me pose des questions par rapport à ci ou ça, et ben un tel frère, je vais le voir. Je vais lui dire bon bah est-ce qu'on pourrait peut-être se voir cette semaine parce que j'ai des questions sur un sujet, ça me perturbe. Et ben ça s'est déjà fait et on n'a pas décliné mes demandes. Donc ils sont pas interventionnistes dans notre vie, ils viennent pas fouiner chez nous, ils viennent pas voir ce qu'on fait. Par contre si nous on a des demandes et qu'on va vers eux, ils nous répondent. C'est le lapin du foyer. C'est un lapin qu'on a ramené de chez nous, que j'ai ramené de chez moi. Puis on a trouvé un autre sur le bon coin pour lui tenir compagnie. Et puis c'est un peu la mascotte du foyer, on le nourrit avec nos restes, nos restes de légumes, enfin, du coup il mange pas trop. Parce qu'on mange pas de légumes. Mais voilà. Et puis tout ça, ça a commencé l'année dernière, qu'on a fait une soirée, on avait ramené des poules. Et on avait ramené des poules pour un thème de soirée et finalement les poules on les a laissées ici dans ce carré là, ouais. Cette cour fermée et finalement c'était assez marrant d'avoir un animal de compagnie. C'était assez marrant mais en même temps pourquoi on n'a pas continué les poules? C'est que tout simplement les poules ça gueule. Oui donc c'est un coq avec et c'était assez chiant. Du coup on a fait le procès du coq à la fin. Voilà. Il est condamné à mort. Il était condamné à mort. Ouais, voilà. On l'a mangé. On a tentative. On prend un engagement qui est de participer une fois par semaine à une soirée avec les frères. Cette soirée se passe en deux temps. Il y a les vêpres suivies du repas avec les frères. Et ensuite, on a un temps partage d'une heure. Alors c'est nous qui faisons des exposés, alors c'est toujours intéressant parce que surtout, enfin la plupart du temps c'est des sujets d'actualité un peu polémiques sur lesquels on a tous un peu notre avis, donc des étudiants présentent et puis ensuite il y a des réactions. Il y a souvent des grands débats politiques sur des questions sociologiques même, tout le monde n'est pas d'accord et on s'écoute et des fois on parle un peu fort mais on n'est pas d'accord mais on s'écoute. Tout le monde respecte les opinions des autres, ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut avoir un débat construit et dans le calme quoi. Donc ça c'est vraiment un avantage, même si on pense pas la même chose, chacun pose ses arguments et puis... Ouais c'est clair. Et ça finalement c'est grâce aux frères parce que c'est les frères qui organisent les soirées, c'est eux qui structurent nos débats. Bon là les gars arrêtez parce que ça va trop loin, on s'écarte un peu du sujet donc finalement ils nous aiguillent et ça nous permet de bien structurer les échanges qu'on peut avoir. Le fait de débattre, moi je savais pas faire avant
et je savais pas assumer un peu un point de vue que ça. Et donc là, c'est le fait, vous savez, c'est d'abord on expose un sujet lambda, donc c'est pas du tout par rapport à la fois au début. Moi, j'ai fait au rugby sur la première année. Après, j'essaie de grandir un peu, je vais sur le bonheur et sur la peine de mort. Mais voilà, tous ces genres, tous ces débats nous aident aussi à avoir des idées, mais pas que des idées arrêtées, quoi. Avoir des arguments derrière. Et grâce à des exposés, j'ai réussi à, en force d'écouter. C'est une école d'ingénieur. À force de faire un petit. Oui, on fait l'avocat du diable parfois, mais rien que pour essayer de trouver les arguments. Enfin. Ça apporte beaucoup, je trouve aussi. C'est pouvoir et après débattre avec le monde extérieur, quoi, si on veut. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est les frères qui nous fournissent la bouffe. Et finalement, on n'a pas à prévoir ce qu'on va dîner. On se met les pieds sous la table. C'est bon. Et en général, c'est là où on mange le plus de la semaine. Limite un peu trop. Des fois, ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que c'était des dîners équilibrés. Enfin, moi, comme beaucoup de monde, c'est mes légumes de la semaine, quoi. C'est vrai. Donc, ça voilà. C'est un moment super agréable à passer. Et puis, donc cet engagement, il y a tout le monde qui le tient, quoi. Quand on est absente, des fois, j'ai pas envie de travailler. Je vais plutôt faire un billard, je vais plutôt faire un ping-pong. Des gens qui proposent un foot, ben tout de suite ça peut nous arrêter dans notre travail. Mais à part ça, l'avantage c'est que je crois pour tout le monde, on n'est jamais tout seul de notre école presque. Au foyer, enfin il y a toujours 2-3 personnes de la même école que nous. Je sais que moi quand j'ai un problème en maths, j'ai mon voisin qui est très bon en maths et donc je lui demande, il m'explique, etc. Moi c'est pareil pour l'informatique par exemple. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que dans la même école, il y a des gens à côté qui ont fait 2 ans de plus que nous. Donc à HEI par exemple, on est 5 en première année, ensuite il y en a 3 qui sont en troisième année. Et si on a des questions sur notre orientation, c'est juste à côté, donc on n'a plus qu'à y aller, quoi. Qu'on est 4 de Sciences Po au foyer, et du coup ça nous permet de bosser entre nous. On peut se faire des fois des soirées entières de révision. Personne ne va vous empêcher de bosser, ça veut dire que si un jour Mathieu a envie de bosser pour Sciences Po alors que moi j'ai vraiment envie de faire un billard, et ben il va me dire ferme les portes ou fais-en un plus tard parce que là je peux pas. Et en général, durant l'année, il n'y a pas eu de friction. Si quelqu'un voulait travailler, les autres respectaient ça. Et au final, j'arrive toujours à travailler et à essayer d'avoir des bons résultats, quoi. Scène vélo. Ok. N'aime pas le vélo, ne viens pas au foyer. Non, mais moi je dois pas le dire. Si, si. Je dois le dire aussi. L'inconvénient principal et le seul, je pense, c'est le fait qu'on soit en retrait de la ville. Ça, on l'a pas dit. Et ça veut dire quand même au minimum 20 minutes de transport en vélo, c'est le plus rapide. Ok, go. Si tu aimes le bitume, ne viens pas au foyer. En même temps, quand on rentre au foyer, c'est une coupure. On n'est plus à la fac, on n'est plus en ville. On est, je vais pas dire qu'on est à la campagne, mais on est dans un parc, il n'y a pas de bruit. Si tu n'aimes pas la verdure, ne viens pas au foyer. Il y a une autre spécificité ici, c'est que y a pas de nana. C'est toujours un peu décevant, ce qu'on se dit. Tiens, pas de fille. Bon, c'est dommage. Il n'y a pas de fille, mais enfin. Comme ça, on est vraiment à fond dans le foyer, on n'est pas distrait par des filles, parce que les filles, ça distrait, on sait tous. on est entre mecs, on est entre hommes, et voilà. Ça évite des histoires potentielles. Exactement, ça évite des histoires potentielles, tout à fait. S'il y avait eu des filles, on aurait peut-être été, peut-être inconsciemment, hein. On aurait tous été un peu plus stratège, un peu plus séducteur, et on aurait peut-être eu des relations moins véritables. Le foyer, c'est quand même un endroit où on fait nos repas, on se douche, on dort, on fait du sport. Alors c'est bien d'avoir cet endroit quand même réservé pour des gens comme nous, quoi. Il y a peut-être pas de filles au foyer, mais les frères nous empêchent pas d'emmener nos amis, nos copines au foyer, en fait.
c'est important de pouvoir être 40 dans le foyer parce que on sait qu'en se réveillant le dimanche, eh ben, il va y avoir du monde à la messe, on a un endroit qui est réservé pour nous, on sait qu'on va retrouver les potes, alors on ne va pas à la messe pour voir de ses copains, mais en attendant, ça fait quand même plaisir de savoir qu'on n'est pas tout seul à se lever pour Jésus et finalement qu'on est content de vivre des messes comme ça ensemble. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien sur ce point-là, en tout cas, et ça m'a permis de consolider ma foi et j'en suis content. Hein. Chose que j'aurais pas faite, sans doute, tout seul, dans la jungle lilloise. Quand on est à la maison, là, on vit la foi de nos propres parents, quoi. Et une fois arrivé au foyer, si on veut un peu plus s'écarter du Seigneur, on peut, quoi, parce qu'on nous cadenasse pas, quoi. Mais grâce aux frères, on se forge en soi notre propre foi. Moi, je suis incapable de vivre ma foi tout seul. Et quand j'en discute avec beaucoup de jeunes, c'est souvent une difficulté que quand on se retrouve tout seul, ben voilà, la messe ou voilà, les temps de prière, c'est souvent difficile, alors qu'ici, on est, enfin, avec la présence des frères et même le foyer, on est vraiment tous ensemble, quoi. Et voilà, le matin, pour aller à la messe, il y a la petite cloche qui passe ou il y a le collègue derrière qui frappe « messe, messe » ou ce genre de truc, et on est porté, quoi. Être au foyer, ça permet de garder un peu confiance et de se dire « bon voilà, je suis pas le seul et je suis pas le seul à avoir la foi, en tout cas à vouloir avoir la foi ». Pas repartir comme on est arrivé, quoi. Techniquement c'est impossible. On ressort forcément grandi du foyer. On a vraiment le temps de créer de belles amitiés et c'est cool. Et donc parce que du coup moi le résultat c'est que l'année prochaine on se met en colloque avec deux gars du foyer que Thomas et Joseph que au début je connaissais pas et ça fait un an qu'on se connaît mais pourtant j'ai l'impression qu'on a créé quelque chose de solide ici quoi. Qui fait qu'en fait on peut vivre en colloque à trois parce qu'on a d'abord créé les bases, on se connaît, on a pu créer quelque chose ici dans ce cadre-là.